Mercredi 2 février, la députée LREM, Laetitia Avia, a reçu une lettre d'un racisme inouï, a-t-elle qualifié. Elle en a publié le contenu sur son compte Twitter et a annoncé qu'elle avait porté plainte. La missive attaque, la députée LREM, avec des propos très durs, insoutenables. Au jour-8, j'ai reçu une lettre d'un racisme inouï, ponctuée d'une menace de mort. Je déposerai plainte, a-t-elle annoncé sur le site de Microblogging, en légende une photo de la lettre anonyme. Quelques heures plus tard, elle précisait avoir bel et bien porté plainte. Je vous remercie de tout cœur pour vos messages de soutien, qui me touchent sincèrement, et m'aident à occulter la haine véhiculée par quelques esprits étroits, ajouta-t-elle. C'est immonde, c'est abject. C'est la première fois que j'ai vraiment eu à recevoir des mots d'une telle violence, qui ne sont pas liés à mon activité politique et à mon engagement politique. C'est ma personne qui est attaquée ici, une femme noire, qui ose s'exprimer, être présente dans les médias, qui ose représenter les Français. Et avec cette fin, compte tes jours, on va s'occuper de toi, donc une menace. C'est pour ça que j'ai voulu publier tout de suite cette lettre, explique la députée en plateau.